sur la suite qui sera réservée à notre combat judiciaire à la suite de la mise en liberté provisoire de M. Guy Marie-Sagnan, il a lieu de noter que nous sommes dans le cadre d'une procédure judiciaire. Et une procédure judiciaire a un début et a une fin. Aujourd'hui, nous sommes à mi-chemin. Ça veut dire que M. Sagnan a été arrêté, inculpé, placé sous mandat de dépôt pour l'infraction de fausse alerte au terrorisme. À la suite de cela, le combat judiciaire, naturellement, par les biais du pool des avocats, a été engagé. Aujourd'hui, à mi-chemin, nous avons obtenu une liberté provisoire. Ce n'est qu'une victoire d'État. Parce qu'une procédure judiciaire, c'est comme, comme une course cycliste. Il y a différentes étapes. Mais le plus important, c'est la victoire finale. Donc il y a une victoire d'État aujourd'hui qui nous a permis d'obtenir sa liberté provisoire. Et le pool est très soulagé pour cette liberté parce que ça nous a permis aujourd'hui d'avoir Guy autour de cette table-là. Donc nous allons continuer le combat judiciaire en utilisant encore une fois toutes les ressources que nous donne la loi, sur le plan interne, sur le plan régional, comme sur le plan international, jusqu'à l'obtention d'une décision de non-lieu. Ça veut dire jusqu'à l'abandon de toutes les charges en l'encontre de notre client, Guy Marie-Sagnan, qui n'a rien fait. Et je reviens sur une chose encore une fois. Guy n'est pas l'auteur du poste, n'est pas l'auteur du contenu. Donc il n'a rien fait, il n'a rien à refaire. Il est étranger à tout cela, à part qu'il est membre du mouvement France Dégage. Donc il faut que cela soit clair. Donc toutes les procédures vont se poursuivre jusqu'à cet aboutissement qui est un non-lieu total. Et comme il a été indiqué tout à l'heure, nous n'excluons rien. Nous envisageons de saisir la Cour de justice de la CEDEAO. Nous envisageons également de saisir le groupe de travail des Nations Unies sur la détention arbitraire. Et nous sommes en train de nous réunir pour voir l'opportunité, le moment pour mettre en branle tout cela. Mais rien n'est exclu pour que Guy Marie-Sagnan soit lavé de tout soupçon, soit innocenté de tout. Parce qu'en réalité, il n'est l'auteur de rien du tout. Maintenant, par rapport à la suite ou aux conséquences de la liberté provisoire, elle est claire. M. Guy Marie-Sagnan bénéficie d'une liberté provisoire. La seule contrainte qui pèse sur lui, c'est de ne pas se prononcer sur la procédure judiciaire qui est en cours. Cette procédure est couverte du sceau du secret de l'instruction. Ça veut dire qu'il ne peut aucunement se prononcer sur cela. Ni des questions qui lui ont été posées en cours de procédure, ni de ses réponses. Moi-même, son avocat, je n'ai pas ce droit et j'ai toujours respecté ce secret de l'instruction. Donc Guy n'est astreint qu'à cela. Pour le surplus, c'est un citoyen comme tout autre qui bénéficie de l'ensemble des droits et obligations, qui bénéficie de l'ensemble des droits et libertés. Ça veut dire qu'il a parfaitement le droit, s'il estime nécessaire, de continuer son engagement citoyen dans le cadre des libertés qui sont consacrées par notre Constitution, mais en respectant le cadre légal et réglementaire qu'il a toujours respecté. Donc il n'y a rien de nouveau, il reste un citoyen qui bénéficie de tous ses droits. Donc il n'y a aucune contrainte qui puisse l'empêcher de dire ceci ou de faire cela. La seule contrainte, c'est le respect des lois et des règlements de notre pays. Et ça, il le sait, ça, tout le monde le sait, et il l'a toujours respecté. Par conséquent, il n'y a aucune contrainte autre.